Ouais, là je me suis arrêté parce qu'en fait j'ai vu par terre, il y avait une barre de céréales et en fait je l'ai reconnue, c'est ma barre de céréales parce que moi j'ai une sorte de banane que j'attache autour de la taille là quand je fais du roller et j'ai foutu mes barres de céréales de chaque côté et arrivé à la boire, enfin là-bas, sur le pont de l'autoroute, avant de faire le retour. Ben, je me suis arrêté pour boire un coup et manger ma barre de céréales. Et en fait, il me manquait l'autre barre. Et là, je viens de la retrouver. C'est pour ça que je suis arrêté. Elle était là, ici, là, sur le bitume. Je suis arrêté pour la ramasser. Hein. Bon, ça va, personne n'y a roulé dessus. Hein. Allez, on va repartir. J'ai profité pour enlever la petite merde que j'avais là du passage dans les feuilles. J'avais des aiguilles de pin là, autour de la roue avant, l'une des roues. Entre le garde-boue et la roue avant. Allez, là il y a une portion propre jusqu'au chêne au fond là-bas. Où ça va encore être le truc au sol là. Alors attention à ce revêtement blanc là, c'est du béton, c'est ciment, enfin ça glisse un peu. Enfin, dans le planté de bâton et même au niveau des roues, on a moins de grippe. Toujours se méfier, changement de revêtement. Allez, c'est parti!
Allez, passage sous les chênes là. Dans le ruisseau. Ah ça y est, j'ai chopé des merdes. À la roue avant droite. Les brindilles. On va arriver au niveau du pont. Ça y est, là elle est partie. La brindille. Il vaut mieux que je. Hop, je crois qu'il va à l'arrêt là. Ouais. Que j'assure là. Il y a des glands au sol. Voilà. Allez, on va couper là. Et on reprendra de suite. Voilà, plus.